Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous dans le SA sous télévision nationale d'Haïti. C'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour l'autre numéro mise au point. Matin, nous parlons très certainement et retourner sur ce qui est privé dans le pays dans l'année 6 pour le 7 juillet 2021. Nous parlons de parole en spécialiste en question de sécurité. Nous avons vu qu'on est ni même comment l'apprécier ce qui passé par rapport à fait qui vient joindre Nio, par rapport à donner et qui vient joindre Nio. Qui s'en a besoin de faire pour qu'on ne s'en pas arriver et dans le pays. Il y a même gens qui ont pile l'autre situation qui produit dans des quartiers, et un pile crime qui arrivait dans les jours, situation de violence qui gagnait, et par exemple, dans le niveau Matissan, week-end ça encore, il était très difficile pour nous passer. Et Matissan, les gens qui prennent le Cafou, les gens qui prennent dans le département qui gagne pour la zone ça, département sud, département sud-est, département Nip, département Grandance. Nous avons tout pour nous garder dans le cadre du programme jeudi, accord là, pour que ça puisse passer 20 jours après la disparition tragique. Le président Jovenel Moïse, acteur, pas arrivé, mettez dans la dimension pour venir à ça, pour opposer le pays en solution. Pour savoir qu'un pilote prend la mi-temps et change nous, avec le colonel Himmler Rebu, qui a accepté de répondre à une question télévision nationale d'Haïti matin. Colonel Rebu, merci en pile parce que vous êtes disponible pour nous jeudi. C'est moi-même qui vous remercie et nous avons profité de saluer tout le monde et nous espérons que le moment ça nous pas passer ensemble n'a pas utile. Bon, très certainement, et j'en sors toujours fait. Colonel Rebu au patron dans le pays. Et l'événement 6-7 juillet est arrivé, mon temps de tout ça qui passe. Et heureusement, matin, nous avons un spécialiste en question de sécurité. Pas de trop longtemps, secrétaire d'État pour la sécurité publique, ou tu n'as pas l'État, ou comment généralement sécurisons VIP. L'entend de ça passé en la chambre président 6-7 juillet, ça dit qui ça, comme responsable, comme spécialiste en question de sécurité? Bon, une seule explication. Il y a un niveau de complot avec des acteurs soumis, qui ont des raisons personnelles pour venir des êtres soumis, des acteurs intermédiaires qui ont une capacité pour bailler de l'ordre, qui sont en position pour bailler de l'ordre. Et des acteurs qui ont même décideurs, tant au niveau international qu'au niveau national, qui croient qu'ils ont raison pour éliminer physiquement le président. Maintenant, c'est trois, quatre acteurs qui jouaient, qui menaient à Sacrivea. Parce que Sacrivea, du point de vue mécanique, n'a aucun cas possible pour arriver. Mais arriver? Non, c'est Samdou. Jean, moi pas quoi que Sambral dit là, que le système sécurité président est bien organisé, ou est organisé techniquement, Jean le fait pour le fait là. Premier bagage, si vous prenez un cas côté président RETEA, ou pas qu'à bon VIP qui était dans un couloir. C'est quand on passe. Si vous rentrez là, seul Jean pour sortir, il faut reprendre même route là. Son premier principe. Il faut toujours gagner des voies d'évacuation. Ensuite, il y a des bagailles qui sont faites sur le plan technique. Le map tant de ça, mon yab dit que tu es fait, ça veut dire que le président est fait, mon lit est relé. Il y a le président, il y a un système de communication pour sécurité qui est passé par téléphone. Or, système sécurité ou VIP, pas capable de faire à l'intérieur un moyen de communication commun, de communication publique. Non seulement fait pour le faire pour un système de communication interne, différent du système de communication, la police là, ou bien l'armée, ou bien des services de sécurité, le fait pour les gains, on s'arrête, une communication cryptée. Et que si le président prend système de communication à la palais la dernière, c'est seul monde qui a un code qui est capable de comprendre ça. L'a dit. Bon, c'est comme ça, ça fait pour le fait. La loi pas sur la sécurité en VIP, premier ça pour régler, c'est comment protéger en cas de danger. Et ou pas capable le danger arrivé pour deviner qui scénario a appliqué. Par exemple, pour évacuer un VIP, d'ailleurs, VIP a un rôle pâle pour jouer dans l'évacuation. Soit évacuer, il y a des choses qu'il est capable de faire, qui est capable de mettre ou qui fait travailler en difficulté, s'il ne connaît pas SOPIA. C'est le même genre. Ou tout pays normal, il a préparé l'école,
dans l'hôpital, yo entraîné yo si gen tremblement de terre, tout le monde qui en dedans compte qui ça pour faire qui bon pour y aller. Parce que je comprends bien colonel Rebu à côté de complot qu'on parlait là, mais tu gon défaillance dans niveau système de sécurité Jovenel Moïse. Gon défaillance parce que la sécurité est toujours relative. Ces affaires faut toujours à questionner, faut toujours à remettre en question, faut toujours à réadapter. D'ailleurs, on très bien dans le mode opératoire, la police, on dit qu'il y a un bandit dans la ville, la police a adopté un mode opératoire en fonction du mode opératoire bandit. Et assez souvent, qu'ils sont constatés, une semaine, deux semaines après appliquer la méthodologie, ça obligé de changer parce que il y a des failles que l'adversaire a découvert la donne et l'a adapté le mode opératoire partout. Donc, c'est un système qui est fait pour en constante réévaluation, en constante mise à jour. Le GAT, ça, à côté, qu'est-ce que c'est ta responsabilité? Et nous, arriver avec un pile monde dans la tête de l'État, il y a géré des bagailles que vous ne connaissez pas vraiment, que vous ne comprenez pas vraiment. Et le moins légèreté que un système qui montait dans l'inconscient. Par exemple, si vous avez ça qui passé, ou t'as dit gain des monde pour pointer comme responsable tout de suite. Ou gain un premier ministre qui responsable c'est SPN qui sont ces premier monde qui responsable sécurité tout le monde sur le territoire. Et là me dit tout le monde non, tout le monde. Le président. Tout le monde net. Lui travaille sur le plan de la conception stratégique de la sécurité nationale et de la sécurité intérieure. Ligue avec lui, donc c'est le premier responsable. Maintenant, en dans un cas comme ça, est-ce que un monde qui arrive premier ministre a la compétence suffisante par rapport à l'histoire personnelle, la route qu'il fait pour arriver là, pour comprendre et aborder et solutionner des problèmes comme ça? Une petite question en suspens. Maintenant, l'État tellement prévoit que le monde ne doit pas connaître tout le bagage. Parce qu'en politique, c'est un monde qui a décidé sur le plan spatial, sur le plan stratégique, ils ont mis à disposition des cabinets techniques. Est-ce que le cabinet technique, ça, yo, là? Est-ce que les gens ont fait pour gagner yo, et qui pouvoir yo gagner? Ou après l'autre monde, comme le ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, par exemple, on a fait toute carrière comme avocat. Assez souvent, son avocat qui est ministre de la Justice, à quelques rares exceptions près, joue le ministre de la Justice là, lui responsable de la mise en œuvre de la stratégie nationale en matière de sécurité intérieure en utilisant la police. Balbao et au détail, côté bien des fautes dans le système non même. Par exemple, la police dépend du ministère de la Justice. Mais contrôle territoire, ça s'est fait par le ministère de l'Intérieur. La police, c'est un instrument d'exécution des actes qu'il faut pour la justice, pour sécuriser les citoyens. Or, on dit par exemple, un étranger qui rentre dans le pays, ça va dépendre du ministère de la Justice, dépendre du ministère de l'Intérieur. Lorsqu'on a voyagé, lorsqu'on a un avion, bon, on t'y fiche. Vous mettez non, l'âge où, quand vous sortez et quand vous pralez, l'arrivée en Haïti, par exemple, qui boit descendre, comment je vois faire dans le pays, qui but voyage. Toute information, ça va aller recueillir au niveau de l'immigration et y aller au niveau du ministère de l'Intérieur. L'homme est arrivé côté le rivière. Normalement, longtemps, l'homme est un étranger qui descend la caillou, que ce soit dans le guest house, que ce soit dans la maison privée, que ce soit dans l'hôtel, information vient joindre l'État. Parce que depuis le papier, il y a des gens qui dit qu'il faut descendre. Donc, le ministère de l'Intérieur a un devoir pour retracer les gens dans ce territoire pour qu'on ait qui bon, si les gens descendent effectivement côté le dédié, sinon qui bon descendre et qui activité l'a fait. Maintenant, il se trouve que les gens qui sont dans l'hôtel là, qui est-ce qui va faire rapport de présence étrangère? Parce que fait pour gagner un manual qui fait rapport journalier, hebdomadaire et mensuel à la police de présence étrangère la CAILI.
Moi, j'ai découvert pendant le secrétaire d'État sécurité publique que pratique ça n'a pas fait. Or, si pratique ça n'a pas fait, on n'a pas aucun contrôle sur la mobilité des gens à l'étranger. Nous dérivons en Haïti à un point où nous avons même contrôlé la mobilité des autochtones. Cela veut dire que si je suis sorti Port-au-Prince, je passe les vacances au Cap, le mouvement dans la barrière bouteille, au Cap, connaît officiellement que Guillaume Rebu qui est entré avec Madame Nipititli et qui a descendu par exemple à l'hôtel Montjoly et il a passé 5 jours. Information ça a été disponible. Information ça a fait pour le disponible. Et l'État a un devoir pour le vérifier. Et c'est quand vous faites déclaration d'impôt, c'est vous-même qui faites déclaration. Mais l'État a un devoir pour le vérifier si ça dit à ça vraiment. Mais là, on a parlé des étrangers, on dit qu'ils séjournent dans le pays avant de passer un mois. Jusqu'à ce que ils arrivent, fait ça ou fait ça du hier. Ils ont pas de droit entrer même sans que l'État pas te connaît qui ça ou vient faire, côté priorité, qui activité ou mène. Ou bien système de contrôle et de filature, ils ont pas de pas aucun cas si nous fait ça gain pour faire en matière de contrôle sécurité pour le faire. Maintenant, le vient difficile pour qui ça parce que système n'est pas interconnecté. Je dis à Simando, qui est le responsable FBI? Qui est si responsable CIA? Qui est qui dans le Congrès des États-Unis? Qui est qui président des États-Unis? Qui est si responsable tel? On peut monter sur Internet ou mettre institution et pour voir monde et voir toute histoire monde. Je dis à qui est si responsable système de renseignement et de contre-renseignement en Haïti. On va arriver dans intelligence et contre-intelligence qui est au niveau supérieur qui est lié à mouvement, contrôle, mouvement économique, relations économiques entre pays et pays, et pour protéger. Mando, est-ce qu'il y a un conseil de sécurité nationale qui a contrôlé la qualité de manger, la quantité de manger que nous produisons, qui les gens transportent, qui les gens stockent, qui les gens vendent? Nous n'avons pas une structure, même structure du point de vue sanitaire, parce que la santé, c'est un facteur de sécurité nationale, parce que le monde, c'est par rapport à la santé monde que le cap produit. Maintenant, l'État le contrôle la qualité santé monde, c'est visé pour massifier la production nationale qui va permettre un équilibre macroéconomique, un équilibre social dans le pays. Donc, comme nous pas fait bagaille normalement, je ne fais pour nous faire, le rêve de tomber dans le tripotage. Par exemple, on l'autre monde qui a pointé tout de suite sans réfléchir. Directeur général de la police nationale. Est-ce que nous posons tête nos questions sur qui autorité réelle que directeur de la police nationale a gagné sur le monde qui est dans le palais national, qui est dans l'USGPN, qui est dans l'USP, qui est dans le CATIM, qui est dans tout le bail? Est-ce que directeur de la police nationale a gagné une responsabilité fonctionnelle dans l'organisation de la sécurité du VIP qui est le président de la République? Bah quoi? Au point que me détendait un l'heure, était un directeur général de la police nationale qui était campé dans le niveau parlement, il était dit, il y a des unités dans le palais national, qui a des uniformes, qui a des armes, qui a du matériel que lui-même comme DG, il n'y a pas connaît. Mais c'est irresponsabilité ça? C'est justement, irresponsabilité à pas sorti là. Il est sorti dans le monde qui est dans la tête système, non? Par exemple, l'homme ou le président, premier réflexe, nous sommes de monde, c'est accaparé de personnes. Parce que le président, ce n'est pas une source de responsabilité dans les yeux, mais c'est une source de moyens de survie économique. Donc, il y a une guerre qui a fait autour du président, nous fournir des informations qui passent, nous faire prendre des décisions qui passent, et assez souvent, le président n'est pas obligé. Le président fait pour gagner un gros bon sens. Mais il n'est pas obligé contre tout le bagage. Mais la question est celle, on t'a parlé tout à l'heure, dans le budget de la République, là, il y a un corps qui a joué une primature, il y a un corps qui a joué une police nationale, Paris national, ministère intérieur. Presque trop corps. Presque trop corps. Mais pour qui résultat? Mais c'est assez souvent, moi, je dis, mon cap bail corps, je ne sais pas pour qui ça va bail corps. Mon cap utilisé corps, je n'ai pas une conscience, importance. Comme ça, dans l'infrastructure sécuritaire du pays, il n'y a pas qu'on est. Donc, c'est quand vous n'avez pas aucun programme, vous n'avez pas aucun bagage qu'on vit faire. Et pour le matin, vous avez 10 000 $ dans le monde. Vous venez fou.
qu'a gaspillé pour tomber à dépenser parce que quelque chose parce que pas gain un bagage qui était tout bien font bail pour 20000 dollars et pour dire bon 10000 dollars c'est parti de 20000 dollars pour le gérer. Donc comme là tombe dans moi ou une fou ou tombe fait parce que l'argent qui est propre dynamique parle. Au-delà des problèmes de précarité, des problèmes d'ambition, des problèmes d'inculture. Parce que le vous prenez un monde pour mettre le responsable de renseignement dans le pays, il faut qu'on ait un dans le même pays, tout le pays a un dans lui, pour chaque bagaille la fait, chaque bagaille. Il faut un système de pénalité sous tête et tout, un système de contrôle s'il a dévié vos choses. Nous ne faisons pas ça. Mais quand excusez-moi, vous avez le colonel Rebu, vous dites, bon, année avant, nous avons plus ou moins le contrôle du pays par rapport à la quantité de monde qui a gagné en Haïti. C'est peut-être ça qui facilite l'autorité envers eux de gérer l'aspect ça. Excuse ça, il est fondé selon vous? Non. Tout bagaille a venu à partir de ça, il y a une désorganisation spatiale. Par exemple, ouais, il y a un gouvernement en pile pour Fatra dans Port-au-Prince, ou bien en pile grande ville. Mais il est normal qu'il n'y ait aucun problème ça. Parce que le premier bagaille qui était doué, fait, qui n'est pas fait, c'est l'organisation de la population sur le territoire de la République. On ne peut pas permettre que des gens aient des raisons pour quitter le milieu naturel, côté où vivre, côté où lever, côté où ils ont des mains, côté où ils ont des terres, où ils ont des biens, pour obliger à vivre de l'autre côté. Maintenant, l'émigration est un phénomène naturel et pour stabiliser l'économie, pour faciliter la vie mondiale, c'est l'organisation des cellules de base de la société pour faire. Ça nous prône dans le gré depuis plus de 20 ans. Nous considérons le pays à Kankoun Kaye. Si le sol Kaye, la base Kaye, n'est pas solide, même si on met 17 étages, un jour, il va tomber. Donc, si pour faire le pays à Vigne Force, c'est mener service de base dans la section communale. C'est former qualité moun dans la section communale cap prendre décision. Par exemple, vous dites que vous êtes un magistrat dans la ville. Vous avez passé comme magistrat, vous avez une responsabilité sous dol, vous avez géré la vie. 50-60 000 moun, 30 000 moun, ça dépend de la taille commune. Maintenant, l'autre curriculum vitae moun sa, qui ça monsieur connaît pour être capable de gérer la vie de 30 000 moun sur le plan santé, sur le plan éducation, sur le plan loisir, sur tout plan. Moun n'a pas de capacité pour ça. Maintenant, où tu as mis des cabinets, ce que vous faites dans le niveau ministère, dans le niveau président, directeur général, etc. Mais magistrat n'a pas de ça. Donc, on y a dépend. Si, assez souvent, nous choisissons les gens parce qu'ils sont bons ou bien sont les gens nous aimons. Mais ils sont les gens qui peuvent aider nous. Oui, ou bien dans des cas, ils sont chef bandit. Donc, monsieur qui a capacité pour sortir pour faire des autres dans l'élection, nous ne pouvons pas faire un compte, monsieur magistrat. Mais le résultat, tout connaît. Maintenant, ce déficit d'organisation, pour faire conseiller les gens qui ne peuvent pas joindre. Servir les besoins primaires ou pas qu'à satisfaire, il est obligé d'aller vers d'autres villes côté quoi qu'on va venir, un petit lumière, un petit de l'eau, et pour qu'on fonctionner. Donc tout système dans Vinga et dans le monde, et qu'on y a une guerre de jouer. Parce que ça, pour nous faire, nous pas qu'à faire, nous pas qu'un moyen pour le faire, nous pas qu'un petit gens pour le faire, et puis qu'on y a une d'entrer dans la politique jouer, et puis qu'on y a de jouer dans l'occuper. Nous pas de le faire tout le monde. Généralement, le monde a une capacité, il a une tendance pour aller vers ça qu'on est. Premier bagage, c'est l'ignorance. Tu fais ce que tu sais faire, ce que tu peux faire. Par exemple, moi, je suis sûr, ou cap dans la rue, ou à flâner, et vous courez une caméra, ça va attirer l'attention. Et si vous avez une faute dans l'utilisation de la caméra, vous pouvez ça tout de suite. Pour qui ça? Parce qu'on connaît. Et vous avez une tendance à aller vers ça. Donc, nous avons trop de personnes qui vont dans des endroits, dans des espaces, côté où il n'y a pas de compétences pour ça, premier problème. Par exemple, sacrifier le président, il y a un minimum de connaissances, le président est fait pour le terrain, tout ne serait-ce que pour sa propre sécurité. Mais il n'est pas fait. Ça veut dire que accepter de mettre l'école dans l'espace, quand il n'y a pas répondu à la question, si on va passer là, qui ça m'a fait? Est-ce que généralement, le président n'a pas gagné Santa Carrelo en chambre forte? Un espace côté, même s'il y a attaqué, il y a quand même bon journée là, dans le bout de jour,
permettre que les gérés, ils font résistance. C'est ça, le bon cœur. Mm-hmm. Et que son côté, si le président rentre là-dedans, c'est lui-même seulement qui a beau accès. Bon, naturellement, nous n'avons pas arrivé dans le niveau ça. Et c'est promis, l'Europe organise une défense. Première question pour répondre, si la position est intenable pour vous, qui s'offre? D'ailleurs, premier bagage qui était fait, c'était évacuation président. Et le président fait pour être au courant du système d'évacuation. Mais l'évacuation pour aller qui bon? Est-ce un hélicoptère? Est-ce un tunnel? Premièrement, moi-même, j'entendais grand peu de monde qui dit que il y a toujours dit président, résidence où il était là, pas tellement défendable. Maintenant, qu'est-ce qui a été fait? Je ne sais pas. Toujours est-il que nous, ouais. Maintenant, ce n'est pas un problème technique ça, yo, qui fait ça arriver. Parce que Sam Abdoula, c'est bagaille pour préparer pour faire nos plans de défense et de sécurité parfaite. Mm-hmm. Mais premier bagaille, il n'y a pas fait pour être capable de prendre position. Maintenant, qui j'ai arrivé fait pour prendre position? Parce que pour arriver, même dans le palais national, pour aller prendre la journée, ou habitué à dans des activités dans le palais national, ouais, quantité de postes de contrôle pour passer avant arriver. Et dernier feu vert, même si vous passez les 1, 2, 3, 3 premières étapes. Dernière étape là, un contrôle qui fait pour demander en dedans, gain un tel, gain monsieur Sergi Nolen Dogvini, li dit te gain rendez-vous, li gain rendez-vous, li vient avec toute pièce, nous contrôler tout bas, est-ce que nous mettons bas l'autorisation à entrer? Lorsque rentre dans l'espace rapproché côté VIP AEA, ou vin un dernier contrôle encore. Ou passe au moins 4 contrôles. Par exemple, ma point cap à l'air national. Ou passe son premier contrôle, bon, ethnologie à côté de l'église sous poste là. Côté, avant d'autoriser ou rentrer à marcher, nous vérifier si non sous liste là. Et ou gen un document qu'on baille. Lorsque rentre dans la cour côté caserne de Salinde, ou un deuxième contrôle. Quand y a autorisé ou rentrer à le parquet machine, ou obligé de quitter machine. Ou descend, ou bien un poste de contrôle, le pour aller rentrer dans la coupe à l'air même, c'est là où fait dernière vérification, identité oui. Ou, et vérifier avec un don si mon sac autorisation. Ça, oui, parce que dans le métal là. Voilà. Lorsque finit fait ça, quand on rentre dans la coupe, le pour arriver dans une zone sensible côté VIP, ou un contrôle électronique qui fait ça. Donc, qui j'en prône rentrer, passer tout point de contrôle ça, sans que ou pas un monde qui voit que ou pas un monde qui est autorisé à entrer là. Donc, il y a un monde qui a un pouvoir qui va retirer tout dispositif ça. Maintenant, qui dispositif électronique qui surveille le président? Qui Jean caméra organisé? Il a même parlé de défectuosité dans le niveau caméra. Pas cap de défectuosité là. Ça fait un. Deuxièmement, dans le cas président, il faut un double serveur. Double serveur? Ah oui! Ou pas qu'on paraît parce que si on système caméra, tout le monde connaît là, tout le monde ouel. Maintenant, ou pas qu'on observe, qu'on enregistre ça, c'est lui-même tout sauvé, nous prenons aller pour qu'il nous a modifié toutes les données, ou pas qu'on récupère. Donc, si ça va faire, on faille. Donc, Mais même président, lui-même, dans la chambre, il a supposé qu'on a vu de. Sur, qu'est-ce qu'on fait là? Où il est là, Kaeli? C'est ça, la sécurité périphérique. Côté président était à premièrement pas fait pour l'été là. C'est un bagage qui est difficile pour défendre. Et moi pas aux gens qui ont fait un système d'évacuation parce que c'est pas une maison qui a été construite pour abriter un président de la République. Par exemple, moi même la caille moi le m'a chita avec architecte ou bien ingénieur à construire. Mais maintenant l'arrivée sous dernier porte côté Mia. Faut faire un bagage, avant qu'on crase la carrément. Faut faire un bagage qui fait qu'on ait un monde anormal qui peut rentrer là. Par exemple, le président son monde dans la chambre de coucher, mais il fait pour un dernier dispositif de son chien entraîné. Son chien entraîné. Parce que l'animal, le monde qui a une mauvaise intention à aborder des zones que le monde l'irait, mais l'habitude avec là, il sentit ça, il a réagi.
Et il fait l'aime un chien entraîné, son chien pas manger à terre, qui pas manger dans n'importe monde. Seul ça on est capable faire si vous passez lui, c'est tuer pour tuer. Et sous tuer, faut faire un bruit pour bon monde qui connaît un problème. Et sous tirer chien la briller. Donc la baille une alerte. Bah quoi ça fait? Bah quoi vous connaît ça? Je parlais de grenade que tu as utilisé pour rentrer dans la chambre président. Écoutez, ça c'est pas une grenade fume, c'est pas vrai. Une grenade pas qu'à bouffer un pot blindé, c'est pas vrai. Grenade là, elle explose, qui ça fait 1000 particules qui allaient dans toutes les directions. Dès qu'elle frappe dans les bagailles, blessé les bagailles, mais elle pas qu'à sauter et un pot blindé, c'est pas vrai. C'est pas possible, selon. C'est pas vrai. Et même si par exemple, on une pièce, un pot blindé, ou mon ne vient pour sauter. Bon, président Limou, dernier coup, le président va faire entraînement au tir, il va faire un examen dans la chambre pour au cas où. En plus, les jeter, hein. Je ne connais pas. Je ne sais pas si vous faites pour vous faire. Et si vous ne faites pas, vous êtes coupable. Et le premier monde qui malheureusement paye les conséquences, c'est le président. Maintenant, c'est la fixe responsabilité. Par exemple, vous avez parlé tout à l'heure de ministère intérieur, ministère de la justice, président CSPN, directeur général PNH. Dans le niveau de chaîne, si vous avez essayé de garder qui est le monde qui est doué, fait quelque chose pour empêcher ça d'arriver. Qui est-ce que vous avez pris? Généralement, dans ces cas-là, vous connaissez que vous passez un bon temps dans l'armée comme procureur, comme enquêteur militaire dans les affaires de crime. Il faut partir de la scène du crime. Sous scène du crime, vous avez tout le bagage qui vous mène à responsable. C'est pourquoi, quand il y a un crime, la première chose que les techniciens font, ils ont sécurisé ces crimes. De telle sorte que le monde ne va pas modifier les choses là-dedans. Dans ces crimes, tu as les éléments matériels. En disant que le monde mourit, premièrement, vous avez un cadavre. Un cadavre part. Si vous bien regardez le cadavre, techniquement, il y a tout ça qui passe. Et c'est ça qu'il faut. Le pouvoir pour aborder une scène de crime, il y a un premier technicien qui agit sur le médecin légiste. Mais elle existe à Baou toute histoire qui menait à la mort. Ensuite, il y a les indices, d'autres indices matériels. On est capable de prendre deux âmes. On est capable de prendre deux empreintes, deux bagailles montées. Si tu as une négligence, tu n'as pas gang, tu as fait ça avec main. Mais il y a plein d'indices. La scène du crime part. Deuxièmement, ça c'est pour les éléments matériels. Il y a les éléments humains de la scène du crime. Maintenant, en pile, il y a parlé, tout ça a fait rentrer dans le cadre d'anomalie. Ce n'est pas qu'on est mon pas qu'on est. Il y a une raison qui fait agir comme ça. Par exemple, il n'y a pas de président seulement dans un de Kaila. Pas de président seulement dans la cour Kaila. Il y a un de Kaila, il y a madame ni, il y a petite li. Il y a des bagages qui ne sont pas ouais, mais il y a des bagages qui sont tendus. Il y a des choses qui ont interprété la compréhension. Mais tout élément a monté pour eux pour nous qui s'est passé vraiment. Il y a des gens qui étaient dans la croix, qui étaient servantes. Parce que c'est une opération qui fait, suivant les règles normales des opérations, la surprise totale. Moi, de côté, je suis à l'étranger, je suis sur le système vidéo, deux personnes qui ont fait tripotage dans les fenêtres, qui ont fait vidéo, qui ont marché, qui ont progressé, qui ont tiré, qui ont fait vidéo, qui ont dit d'y. Quand vous dites que vous allez rentrer en Haïti, il fait une opération sans la présence, sans la collaboration de la police nationale qui a une autorité d'évolution sur ce territoire. Est-ce que ça t'est fait? Est-ce que ça habite? Pas quoi? Et ouais, étrangers, surtout les Américains, ils ne font pas de choses. Ils connaissent toutes les règles, toutes les normes, tous les principes. Ils ne peuvent pas rentrer, faire une opération en Haïti sans pas respecter SOP qui prévoit pour ça, pour rentrer en contact avec l'autorité locale qui ou bien bail autorisation et même accompagner. SOP, on le dit? Son Standard Operation Procedure. Pour faire ça, mais il tape. Son pays lié ou pas capable rentrer à opérer là-dedans sans que l'autorité pays ait. C'est ça que fait. Les polices au niveau mondial sont interreliées à travers le système d'Interpol. Nous n'avons pas les fixes responsabilités. On ne peut pas mentionner responsable sécurité président, par exemple. Responsable du RGPN, agent qui est sous place. Eh bien, c'est samedi. Lorsqu'il est sous scène crime, vous faites cadavre dans le palais, vous faites scène dans le palais.
Ensuite, ça c'est l'élément matériel, ou pas le nom. Bon, jusque là, je vais m'en donner là. Sous scène côté ak la posée. Mais pour y arriver là, il y a une avenue d'approche, il y a une progression qui fait. Quand y a un seul dans le cas là, je descends dans la cour. Est-ce que tu es un gardien? Est-ce que tu es bon? Est-ce que tu es dans des bruits? Est-ce que tu es dans un petit tout à regarder? Si tu es dans un petit tout à regarder, qui ça a été? Oui, tu es les paliers de la sécurité du président. La sécurité extérieure, vous êtes à parler depuis Nanti, portion qu'on mettait dans l'entrée Pèlerin 5 ans, jusqu'à si y a un travail sérieux, depuis quand le président fait pour le contrôler, depuis l'hôtel qui n'a beaucoup de caserne Pétionville là, et en montant et en descendant depuis la boule 12. Fait pour gagner des agents secrets qui ont contrôlé, c'est une difficile qu'a le président tout. Il y a trop de monde qui a évolué dans l'espace. Le travail la vie trop laborieux. Mais il y a des gens dans la zone qui ont connu des machines dans l'outil zone qui est habitué à prêter. Par exemple, si vous avez un entrée Pèlerin 5 ans, il faut que ça relève une fiche de tout habitant qui habite dans la zone. Même les gens qui habitent à vivre, ils ont fait pour relever ça. Mais là, si ça n'a pas fait. Par contre, les mêmes gens. Le assassinat de Doval, là, on peut le raconter, où est-ce femme? Où est-ce femme? Donc, des gens ne peuvent pas rentrer. Si les gens rentrent dans l'espace sale, ils font ça là, il faut une situation pas qu'à sortir. Et c'est ça que fait, en matière stratégique d'organisation des opérations, bon principe, bon norme immuable. La route qu'on utilise pour faire opération, pas jambe, pas faite pour le route pour tourner. Parce que l'on passe pour faire l'opération, ou quitte une série d'informations d'ailleurs, et l'on traite l'information ça, si vous retournez par même route là, ou bien l'occasion par propre information pour quitter ou pour rejoindre. Qui ça dit, opération faite, le président a été assassiné, agent Lio n'a pas gagné de blessé. Parce que l'agent n'est pas là. Il n'est pas là. Non, le dispositif a été déplacé. On relève qui fait, on a recevoir l'ordre pour ne pas. Par exemple, bah, vous avez dit, opération d'IE, c'est ça, est dans la guerre psychologique. C'est pour conforter les gens qui sont sous place. Ah, il y a des gens qui ont fait de l'oubli, papa, je vais vous dire comment vous ne pas prendre un zin. Mais là, on a dit ça, on a un réflexe de protection individuelle personnelle, l'oublier responsabilité le gagnant. Il n'y a pas qu'à déplacer sans zone. Et l'autre n'a pas qu'à faire que par monde qui est responsable. C'est là où on a pris le niveau mounio. Maintenant, pour le niveau mounio qui est l'autre, il faut avoir un mounio qui est l'audio. Il faut avoir une liste mounio qui est là, qui n'est pas fait pour déplacer. Si on est déplacé, sur qui l'autre est déplacé. Et c'est les autres qui remonter filière pour aller vers l'eau. Non, mais agent capable de tout, bon, comme étant de se dire, on connaît généralement. Il dit qu'on est intervenu dans le pays. Non. Le président a tout dit et t'as tombé. Qui dit ou pas dit ou t'as tombé. Souvent, il fait dire le président, non. Est-ce que force était proportionnelle ou garder les données qu'on a gagné? Force, oui, fait pour tout. C'est l'op calcule le dispositif là. D'ailleurs, le dispositif d'une défense se fait par échelon. Par échelon, gompi l'étape. Au moins entre 5 et 6 étapes, ça dépend. Même soit pour la défense d'un pays, premier cercle, c'est à l'étranger. À travers les ambassades, à travers les consulats, c'est un dispositif personnel étranger. Cap fouiller, chercher information qui concerne les pays dans le pays. Deuxième cercle, c'est les point de sortie de ce pays vers mon pays. C'est les aéroports, c'est les ports. Côté gen moun kap sorti dans l'aéroport ça pour aller dans le pays, côté gen bien ou bien mal kap embarqué dans le port ça pour aller dans le pays. Le troisième cercle, c'est les frontières, les ports d'entrée. Ou gen immigration qui là, ou gen la douane qui là. Ce sont les cercles. Maintenant, plus ou après rentrer dans le pays, c'est que vous avez une pisserie. Donc, pour arriver au palais national, depuis ce champ de masse là, par exemple, où est côté palais?
ou est toute avenue d'approche. Ou gen route qui sort quartier général là qui allait vers Palais, ou gen route qui sort bon côté ministère de l'Intérieur, ou gen rue Monseigneur Guillou. Toute avenue d'approche est faite pour contrôler 24 heures sur 24 pour dès que gen un bagage qui inhabituel dans fonctionnement usuel là pour attention gen tel bagage qui pas habitué fait nous était. Bon, est-ce que vous contrôlez parce que quand il y a kidnapping qui fait dans zone Palais? S'il pas contrôlé, c'est ou bien moun yo pas conserve faire ou bien bon raison qui fait pas vle faire ça ou gen pour faire. Parce que l'État a des moyens pour ça. Je dis, là devant la télévision nationale, nous avons un building en face de la télévision. Je me rappelle, madame, je suis dans un studio. Là. Mais je dormi là quand même, les âmes de major. Je dormi là quand même. Téléphone me sonne. Je dis, qui côté pays a terrioré, je me dis, demain matin, le madame va le travail, pour qu'elle ne passe pas sauter, pour ne pas saisir, nous informons que vous cassez le studio. Bon volet qui casse le studio. Volet a cassé le studio en face de la télévision nationale. Là. Qui bon quoi la, l'État, jeune volet, juste dans Riel Nazon, presque rivé bon lumière. Je joue ni. Mais je joue ni parce que l'État est là, le nous-mêmes d'abdomen mes citoyens, l'État a veillé sous sommeil nous, pour trouver là où est de monde qui a porté de bail sous tête. Yo. Y aurait le monsieur, il m'a dit, quand on prend le ça avec bail ça, monsieur dit, l'idée pour le travail bonheur, c'est non qu'il y ait la beauté bagaille pour mettre dans l'autre caille. La police dit, ok, pas un problème. Nous n'avons pas besoin de faire plusieurs voyages. Après, bon, allez-nous, nous prenons tout. Comme nous avons pris le nous avons levé tout le bagaille avant de le mettre dans l'autre caille. Monsieur Mélé, quand il y a monsieur obligé à avouer son vol, il fait. Quand il y a monsieur obligé à mener les gens côté le fait vol là. Pendant ce temps, moi, madame, nous sommes tous dormis. C'est l'État qui dit nous. Et pour dire pour que madame ne pas sauter, pour l'élever, pour ne pas saisir, pour le casser ce situation. Et ceci était fait sur tout le territoire. Non seulement il y a des gens à le faire, mais il y a des gens qui ont supervisé ces gens qui ont pour faire le faire. Et il y a des gens qui font un rapport de patrouille depuis patrouille à rentrée. Maintenant, c'est une crasse ça. Alors là, nous avons vu M. Deval qui te dit que le pays n'est ni dirigé ni administré. Oui, c'est vrai. Parce que nous venons nous casser un pile bagaille sans que nous ne connaissions pas qui ça nous a remplacé. Mais nous casser. On a les réactions qui viennent après. Nouvel assassinat tombé, bon, même si c'est jusqu'à 4-5 heures levé cadavre président Pèlerin 5. Réaction autorité la police, réaction autorité dans l'État. Comment apprécier? Bon, nous parlons au moment côté pour nous mettre parole, pour nous cellule, nous mettre sous du feu. Mais. Très maladroit. Très maladroit à un point côté, dans tout pays normal, c'est une déclaration de coup d'État. Première réaction, hein, vous avez un monde, un ancien premier ministre, qui n'est pas de premier ministre encore, qui dit où, que mettez le bagage qui arrive, nous, tout le bagage sous contrôle. Donc, le monde qui dit tout le bagage sous contrôle, là, c'est lui qui a fait le contrôle là. Maintenant, les mêmes cités ont un article dans la Constitution qui dit que le prend contrôle. Il dit un autre bagaille qui est très déterminant. Il dit moi saute présider un conseil des ministres. Or, le premier ministre ne préside jamais le conseil des ministres, à moins que le président bâle autorisation pour ça. À moins que le président. Absent, et le lab absent est là, il était tout bas l'autorisation, ou bien président qui s'arrêtait ou indisponibilité temporaire. Mais le cas de mesure exceptionnelle, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Non, nous n'avons pas câblé vos matins pour nous deviner de bagaille dans la République. Une République, il y a des textes légaux. Sam Abdoulah, et dernièrement, m'a dit ça dans l'intervention publique, il a été bien contre. Nouveau premier ministre avec l'Ubéris là. Le premier ministre ne préside pas le conseil des ministres. Le verbe, c'est présider. Il n'y a que le président qui préside. Et Gonzame, il te voit, ben moi, article 29-1, décret 2005 sur l'organisation du gouvernement et son fonctionnement.
Article 29-1 dit que le Premier ministre, sous l'autorisation, quand le président est absent, temporairement indisponible, ou bien s'il bail autorisation, il faut le bail autorisation de toute façon, c'est l'ESA et l'ESA seulement que le Premier ministre est capable de présider au Conseil des ministres. C'est l'exclusivité absolue du président de la République. Maintenant, il dit que le président du Conseil des ministres, son première violation, il dit président mourit, il n'a pas dit nous dans quelles circonstances. Il va lui assassiner. Oui. Il va ramener que Brel dit qu'il a assassiné le président. Il y a des gens qui sont entrés, des étrangers qui sont entrés et qui ont assassiné le président. C'est ça que tu es sorti comme vous me donnez. OK. Par exemple, le Mabli rapport que commissaire Dimitri a fait. Premier monde qui était extérieur à scène crime que le président a tiré, qui essayait de arriver, c'est Dimitri Ra. Dimitri Ra arrivé, il dit, dans le rapport là, que M. Assayo fait bac. Il fait bac depuis le R5 jusqu'à bon Kazen Pétionville, là, Bogot Kinamna, là, il mettait une barrière. OK? Donc, c'est le premier monde qui était extérieur à cette crime, qui a privé, mais qui n'est pas arrivé, il fait le bac. Dans le rapport là, il dit, chef de la police là, vini, donc pile loin de scène crime là toujours, il arrive côté lié à lui-même, donc Burkina Faso, dans Kazen Betionville là, il prend contrôle opération, mais là, chef de la police a annoncé que le président mourit. Comment chef de la police a fait connaître que le président mourit, il n'est pas sous scène crime là. Donc, il recevait une information côté bagaille la fin passé là. Qu'on a qui est-ce qui va à l'île? De qui est-ce qui recevait l'information? C'est là, il faut interroger le chef de la police, il faut interroger le Premier ministre. À partir de quelle source? Parce que le Premier ministre annonce une nouvelle comme ça, non seulement il a l'information, mais il vérifie l'information. Il a des preuves pour le dire, ça l'a dit. Maintenant, il prend charge. Et après ça, on va le comprendre, et c'est ça où il est, le siège du pouvoir. Et jusqu'à présent, nous avons une question ça pour qu'on résoudre. Opération pas finie tant que ou pas monté sous position défensive. Là. La position défensive du pouvoir en Haïti aujourd'hui, c'est le palais national. Tant que ou pas gain autorité pour rentrer dans le palais national, après yon investiture qu'on prend de l'autre côté, ou pas capable d'agir comme président. Et un broglio que nous y là, c'est une raison pour les acteurs qui traînent en pile. Ils ont essayé de faire des bagailles qui sont contraires à la loi. Mais chaque pas fait la loi à camper devant eux. Par exemple, vous avez des théâtre qui est passé la semaine dernière entre Duberis, qui a écrit au premier ministre pour dire que le pas comme font conseil des ministres. Au contraire, les il n'y a pas qu'à remettre en question tous des actes exécutifs là, t'es pas. Pour le préciser ça, lui dire bon conseil de gouvernement. Ce qu'il a dit est vrai. Le Premier ministre ne peut avoir qu'un conseil de gouvernement. Mais comment M. Kadhafi, vous avancez, tout le monde dans la zone qui parle avec nous, qui parle dans le quartier, qui est vraiment peur par rapport à ça, comme détonation. Toute détonation, ça en fait. Le commissariat pas trop loin, le sous-commissariat Thomas Saint-Touk pas trop loin. Ou pas un dispositif. Et puis réaction prend temps pour arriver. Ou pas un dispositif, point de vue. C'est un pays livré. Par exemple, nous avons fait expérience. Parce que nous sommes conseil de réflexe de métier. Nous avons levé dans la nuit. Nous sommes capables de dire qui j'en paye à 10h du soir, qui j'en lié à minuit, qui j'en lié à 1h du matin, qui j'en lié à 2h du matin. Parce que je me levais à le vérifier. Parce que je connais qui j'en le fait pour lier. Et lorsque c'est ou pas, ouais, ça que tu fait pour t'es là. Parce que au cours de la nuit, il y a plusieurs moments, lors d'entrer dans la sociologie nocturne. La ville de Port-au-Prince, par exemple, à 10h du soir, pas même bagaille que la ville de Port-au-Prince à 8h du soir. Tout comme il n'y a pas même bagaille à minuit. Tout comme il n'y a pas même bagaille dans le moment névralgique entre minuit 30
et 3 heures du matin. On vient à travers le monde. Toute opération qu'on fait, a fait entre minuit 30 et 3 heures du matin. Pourquoi? Parce que c'est l'heure du sommeil profond. C'est l'heure côté tout le monde sans défense. C'est l'heure idéale pour agir parce que la ville est endormie. Donc, on peut faire tout le bagaille. Et c'est ça que fait le dispositif d'anticipation de l'État, puis agile dans le salon. Non, mais là, ouais, après ça finit passer, il y a un échange entre M. le mercenaire colombien et la police qui menait à la mort qui est là-dedans. Il y a une autre anomalie. Ah bon? Il y a une autre anomalie. Pour qui ça, monsieur, violer une règle de base? Puisque vous avez pris la route et pèlerin en montal fait opération, vous n'avez pas fait pour retourner par même route encore. Une seule explication sur le plan technique. Son bagage qui est écrit dans tout le livre, je pense que tout le monde a pensé tactique avec opération spéciale. Li interdit pour le bagage au monde qui a fait combat à prendre. Une route ou passer pour aller faire opération, pas faite pour tourner par lui-même. Mais ça passe dans le cas ça? Parce que vous êtes à l'aise. Il était confortable selon. Parce que yo pas connait yo t'a fait un bagage qui irrégulier. Et c'est là ça m'a demandé, m'a posé tête mes questions qui vrai monde qui tue le président. Pour moi même jusqu'à présent, ouais, monsieur Colombien ça yo, c'est de par avant. Et me prend sur une base technique simple. Premièrement, c'est pas de monde qui saute. C'est de monde qui entraîné. Et il y a un monde, une très grande autorité que nous pouvons faire confiance à travers le monde, qui est le Pentagone, qui reconnaît que il y a 7 parmi les exaos qui prennent formation à la caille. Donc ce n'est pas de monde qui a fait de la caille, il n'y a pas qu'on est. Seuls gens pour retourner par la même route là, il faut que vous soyez en bagarre, en comparaisonnage. Ah, bonjour, je vais vous mettre 20, vous ne vous occuper, je vais retourner. Côté aller, sur la route, vous finissez par là, et puis c'est là, vous rentrez dans les cailles. Wow. Non. Là, vous-même, vous ne pouvez pas clé. Mais écoute, ça, vous faites, c'est comme vous avez son docteur qui prend le bon vaccin et puis il ne nettoie pas. Il ne nettoie pas la zone où il prend le picot avant. Mais c'est le premier réflexe, infirmière. La prend un coton d'alcool, on va pour stériliser la zone. Parce que quand il a le picot, là, il prend un sac de yol, mais il est non, monsieur, c'est tellement à l'aise, je crois que vous êtes capable de retourner côté au sortir. Vous avez raison de faire à l'aise là. Parce que vous avez un métier. Et l'homme prend même l'exemple, vous retournez sous scène criminelle avec vous. Si ça vous dit, sous cadavre président vrai, ce n'est pas le travail d'un professionnel professionnel. C'est un monde qui mélange sentiments personnels avec ça l'affaire. Or, le professionnel n'a pas de sentiment personnel. Il n'a pas état d'âme. Le professionnel n'a pas senti d'âme. Quand vous parlez, on nous vient exécuter et puis vous crabinez les gens comme ça. À moins que. Bon, je suis tellement dans les deux bagailles drôles. Je me demande est-ce que le président mourit vraiment? Je vais poser mes questions. Parce que trois cas de bagailles m'attendent, ils techniquement anormal. Par exemple, un assassin ne s'acharne pas. Il n'y a pas de combat personnel avec mon exécuté. Son job, il fait. Son job l'a fait. Pour le faire, job, il a bal deux cartouches dans le thorax, parce que c'est la queue avec le poumon mon noyé. Et puis, il bal une cartouche dans la tête pour le dire que mon n'a pas bien plus encore. Ça fait un. Gon l'autre bagaille. Des êtres vivants laissés sur la scène du crime. Ça n'existe pas. On parle de madame président. Ça n'existe pas. Pas aucun professionnel qui a fait ça. Parce que Mounou qui était là, c'est un monde qui vive, qui ouais, qui tendait. Waouh. Donc, bon bagaille, bon pile bagaille qui va normal. Ensuite, le n'a pris en prise en main, enquête là. Qui premier monde qui arrive sous scène crime là? Après combien de temps? Bon, l'autre information grave. On va comme ça va cap passer et pour dire 12 heures d'après c'est là juge de paix à privé. Est-ce que juge de paix a été accompagné d'un médecin légiste? Est-ce qu'il a accompagné avec DCPJ qui a fait prélèvement sous scène crime tout de suite? Parce que ce sont les premiers éléments de l'enquête.
Ensuite. Est-ce que tu es protégé sans crime dans tout? Non, c'est un crime en fait pour le protéger automatiquement. Mais la question, est-ce qu'il est protégé? Est-ce que ça fait? Comme c'est règle, s'il pas fait, pour qui ça n'a pas fait? Ensuite, ou un bagage grave qui passe, ou une extraction de témoins. Ou une extraction de témoins. Extraction ou témoin en matière criminelle, c'est une opération qui est décidée pour une raison stratégique. Je ne peux pas prendre un monde qui est sous scène criminelle pour me mettre en dehors de scène criminelle sans que je bagaye une assistance, une surveillance permanente. On dit que quand monde qui est sous scène criminelle qui est blessé, je suis obligé d'évacuer à l'hôpital. Au contraire, son monde pour me protéger, il faut conserver la ville, mener à l'hôpital pour le cap prendre parce que son pièce est importante. Mais même côté de l'hôpital, la personne ne va pas rentrer dans la salle. Voir pour monde enregistrer ça, dit ou pas dit, à seul monde qui est pour le parler avec monde qui a mené enquête là. Donc, si vous prenez un monde qui est sous scène criminelle qui est blessé, vous menez à l'hôpital, il est parti de l'enquête et DCPJ fait pour entourer le camp là. Et vous ne pas cap déplacer, pas aucune raison, aucune explication pour le déplacer. Regardez les premiers éléments et autorités fournies sous base d'enquête qui a mené relative à l'assassinat président. Ou estimez-nous sur route pour nous connaître ce qui s'est passé réellement dans la justice pour cette juillet? Bon, pour moi-même, toutes ces affaires, c'est pour brouiller Pissio. Parce que tout ça, vous faites anormal. Par exemple, moi j'entendais, il y a un rapport presque quotidien que le chef de la police, là, en personne, Vinbay. Le chef de la police n'est pas porte-parole de la DCPJ. Le chef de la police est tenu au devoir de réserve et de secret sur l'enquête. Parce qu'il n'est pas autorité enquête là. Il cap ordonné, et vraiment qui cap ordonné, c'est le commissaire du gouvernement qui cap bail DCPJ une commission rogatoire pour le cap mener enquête là, réunir indicio, remettre lui pour lui-même lui bail un juge d'instruction. Ça t'en veut dire nous mal parti là. Personne pas cap à révéler éléments sous enquête là sans qu'on pas gain intention brouiller pissio. Bon, sans violation. Le chef de la police ne peut que recevoir un rapport, une copie du rapport de la DCPJ pour information personnelle, que le parquet doit divulguer, voire pour la divulguer lui-même. Mais ce n'est pas pour assurer la population qui a mené enquête et qui fait que. Ce n'est pas le rôle du chef de la police. Il y a des gens qui sont là dans la structure gouvernementale pour parler à la population. Mais pour les premiers, ils ont arrêté, ou t'as dit, ou les gens qui ont mis la vidéo de recherche derrière eux. Et ça, tout est capable d'aider selon vous? Bon, premièrement, ce programme avis de recherche là en Haïti. Programme avis de recherche là, c'est une vraie blague. Les services de sécurité n'agissent pas en parlant. Ils agissent dans le silence absolu. Là où dit, vous mettez avis de recherche derrière tel monde, au fait, qui sont dit? Qu'on y a beau tellement qu'on est ça au faire pas ça. Après c'est au coup y a sous mon cachet mon zanab chercher à mais qui ça la loi pour y voir pour. Donc mais qui est si fait mon engagé c'est vous même qui t'as mis ta vidéo cherche là. Mon en fait pour qu'on ait l'en affaire c'est la police pour être là qui dit bonjour monsieur bonjour madame même qui a tel mandat contre dans tel cas et nous besoin tant d'eau de position bah comme ça. Ben sous quand vous y bah dans radio ils ont mis la vidéo cherche derrière tel monde parce que monde a commis un crime. Sous le prétexte, que y a des gens qui ont aidé la police d'une faire travail. Donc, la police doit pas faire travail. La FBI est capable de bourrer tout dans l'enquête ça. Mais FBI n'est pas capable d'enquête ça. Parce que FBI est censé concerner. FBI représente le gouvernement américain. Or, en pile parole qui dit sous bagaille là, certains des hommes ont été entraînés par les États-Unis. Par le Pentagone. Plusieurs réunions ont eu lieu sur le territoire américain. Plusieurs armes sont sorties du territoire américain pour venir en Haïti, ou bien avant, ou bien après, pendant, ou bien après. Donc les États-Unis sont partis du problème. Maintenant, est-ce que FBI n'est pas capable en enquête là? Oui. Mais en assistance à DCPJ. Il n'y a pas qu'à un agissement, il y a qu'à venir pour prendre des éléments qui concernent les services par eux, parce que le crime, c'est un président de la République, c'est un crime qui a un caractère international. Il n'y a pas qu'à là, non. Mais il n'y a pas qu'à, par exemple, on dit que le président est à la veille aux États-Unis.
C'est seule la justice haïtienne qui t'a cap permettre ça. Et pour permettre ça, on a besoin des agents qui déplacés avec madame de DCPJ pour rester dans la chambre, pour sûr pour pas aucune immixion, aucun monde qui sorti qui rentre. Bon, naturellement comme en Haïti, assez souvent monde comprend yo cap fait toute bagaille n'importe qui gens. Mais les normes, les procédures, les règles a toujours campé en face. Si il y a un monde qui vous dit attention, tel bagaille pas fait pour le faire tel genre, vous connaissez, sous faire comme ça pour qui ça. Mais dans le leadership là vous même c'est haïtien qui a le gagner là mener enquête ça. Seulement personne gagne parce que son bagaille domestique lié. Si il y a moyen pour ça, oui. Oui. Mais ça fait jusqu'à présent on sentit bala. Oui, il y a moyen pour ça, moi même supposer moi vivre assez de choses. Moi fais suffisamment d'expérience. Moi approche suffisamment de l'État pour m'affirmer que la police nationale ou gagne, yo bal plus responsabilité que yo bal plus responsabilité que par responsabilité bal. Mais ça le gagne pour le faire, il gagne moun qui préparé, qui entraîné, qui capable pour faire. Maintenant si yo gagne des chapeaux politiques sous d'eau, cap boucher ou cap touffer ou cap empêcher de faire le travail, sont l'autre bagage. Parce que les agents que nous avons en Haïti, ce sont des agents internationaux. Ce n'est pas nous-mêmes. Nous pas formés suivant un pattern que nous décidons nous-mêmes. Ils sont formés suivant un pattern international. C'est pourquoi le politicien, le policier haïtien, abrivé en Yougoslavie, en Allemagne, aux États-Unis, en Israël, là, ils comportent parce qu'ils sont bêtes dressés liés. Et c'est comme par exemple, nous avons parlé off-record avant de commencer l'émission. Par exemple, les officiers qui sont passés par l'académie militaire, dont un pile d'élèves, leur arrivé dans des classes internationales, il y a des officiers égyptiens, israéliens, norvégiens, toutes qualités, ils sont toujours parmi les trois premiers. Pour qui ça? Parce que ça, nous apprenons, ce n'est pas nous qui inventons. C'est un code international. En matière d'opération, nous avons mis des subtilités qu'il y a à la culture haïtienne, à la sociologie haïtienne là-dedans. Mais ce sont des gens qui ont une capacité. Donc, vous dites pendant l'émission, colonel Rebut, président Jovenel Moïse est victime d'un vaste complot. Maintenant, est-ce que oui. même les gens qui étaient des groupes, qui étaient des complots, ne sont pas capables de continuer pour empêcher lumière faire ou bien arriver côté de la planifier? Mais évidemment, c'est une opération en continuation que nous avons là. C'est une opération en continuation parce que le coup fini. Ça faut dire ça. Parce que c'est ça. Parce que c'est ça. Parce que ça fait là, il y a un certain monde qui exécute. Tout le monde a dit que tout ce sont des exécutants. Il y a remonté des pistes pour montrer des ramifications, des gens qui ont fait réunion, c'est rempli le monde, des gens qui ont remis le président Jovenel Moïse, des gens qui ont remis le tout devient suspect automatiquement. Assez souvent, nous faisons surenchère, nous faisons propagande, nous citons nos monde. Et puis, là, nous avons cité le sénateur Steven Benoît. Nous n'avons pas. Ou le sénateur Yuri Latortu. Il n'a fait rien. Il n'a fait rien parce qu'il compte très bien. Ça nous dit, pas comme ça. Bon, on dit que c'est des gens qui ont fait des prises de parole publiques. Bon, quand je m'en parle là, par exemple, le commissaire du gouvernement voyait le livre, il m'a dit tel bail. Je dis, monsieur, oui, il y a tel livre, il faut samedi à écrire, moi, je me dis. C'est peut-être lui ou pas lié assez qu'il faut prendre samedi à vous, pas important. Mais il écrit tel livre, mais tel SARL est un SOP qui j'en sa fait pour le faire. Maintenant, s'il pas fait comme ça, je sais qu'on moun qui te gen pour faire, lui ou pas faire pour qui ça. Et les ça, ou il est des experts. Parce que ou un commissaire du gouvernement ou bien un juge d'instruction va obliger contre tout le bagaille. Bien ça en matière de crédit criminel, les avis d'experts qu'on ouait dans des jugements, qu'on a pris des spécialistes, de psychologues, de psychiatres, de médecins et qui pourra bailler des détails, qui donnent techniques, qui peuvent expliquer faisabilité ou non faisabilité. Ben pour une déclaration première dame, non, en fait, ancienne première dame, Martine Moïse. Dans le funérail, tu parlais de président qui trahit et abandonné. Et il parlait avec New York Times pas trop longtemps. Ou apprécier les classes ou comment? Mais qui ça se croit aidé dans l'aboutissement? Je ne pas apprécier parce que c'est des anomalies. Oui. C'est des anomalies. C'est en Haïti seulement pour ça. Et la première dame a un discours politique sur le cadavre de son mari le jour de ses funérailles. Et un comportement ou une attitude inacceptable. Inacceptable, totalement inacceptable.
et puis il prend la main par exemple pour la faire déclaration son bail d'autres criminels et personne monde. C'est la justice qui vient pour répondre à la question. Ça aussi, première dame, dans le bagaille pour le dire, en matière de crime, côté lycée, premier témoin, c'est la justice qui vient. Parce que tout le monde a prêté une déclaration pour qu'on ait qui s'est passé dans la nuit là, comme il était là, selon sa précision. Mais il vient pour dire ça à la justice, pas à la radio, pas à New York Times. C'est la justice qui pour questionner, qui pour auditionner, il n'y a pas rien pour la faire déclaration publique. Maintenant, il faut avertir tout. S'il a fait, c'est même genre, même président tout. Le président est venu dans la télévision, il a fait des déclarations publiques sur des bagages qui sont d'origine criminelle. C'est une violation des normes judiciaires. Là, il faut qu'on ait. Maintenant, automatiquement, on fait déclaration sur son crime, il faut la justice, le mando. Bon. Et c'est là aussi, il faut pour madame faire attention. Les États-Unis sont un pays qui a des normes, qui a des principes. S'il glisse sur son terrain, on rentre sous pente, il même la protéger tête. Léo met main sous les lapes de l'Ibaradan. Ou bien, le bail a fait fête là, madame Laline, de Gétal Baye, premier ministre Joseph Lamain. Donc, c'est quand vous lui dites oui, nous reconnaissons le chef d'État. Mais deux jours après, vous venez nous constater que vous n'avez pas normal, les cas impliqués au droit, nous-mêmes, nous n'avons pas appuyé personne. Et la déclaration est normale, parce qu'il y a une norme aux États-Unis. L'homme ou non a un frein, côté le parfait pour le frein dans le connaît. Et assez souvent, on ne peut pas avoir fait une déclaration, même dans soi faire élection. Vous connaissez Abdiya pas ça. Vous connaissez Abdiya pas qu'a fait. Mais vous essayez, ouais, s'il t'a fait, pour une raison, pour stratégie pas yo. Mais plus yo ouais marché et gen moun k'ap di yo non et k'ap montre yo techniquement pour qui ça, politiquement pour qui ça, socialement pour qui ça, sécuritairement pour qui ça, yo ouais donné yo yo dou dès que possible. Regardez ça crivé là, qui est sous qui groupe qui moun qui t'a ka cautionné ça passé 6 7 juillet, qui moun qui t'a ka derrière ça crivé Jovenel Moïse? En pile moun parce que le président de la République, le défunt président de la République, n'a pas respecté une norme humaine de base et une norme chrétienne de base. Rechercher la paix avec tout le monde, sans quoi nul ne verra le Seigneur. Il t'a attaqué tout le monde. Tout le monde. D'ailleurs, il dit ça à Bouchli. Il dit qu'il y a un train qui l'a conduit. À vitesse train ça après aller dit parler tout monde train ça pas gain frein donc sou pas mettre à côté a gain petit accident et me dit contexte il dit que finalement sa président c'est qu'il y a un mur en acier sur la route de ce train l'elfine craser mon à gauche craser mon à droite train a rentré dans mur et son mur d'acier et d'acier solide président rentré dans mur et moi pas croire que c'est ça Haïti t'a besoin. Même après, il y a certains acteurs qui ont véhiculé des idées, qui ont retourné, d'après eux-mêmes, dans la tête, dans l'imaginaire. En Haïti, moun rouge, moun noir, moun qui gen kob, moun qui gen kob, même discours président ici de inaugurer mandala qui va durer plus que 7 mois. Exactement le même discours. Qui t'a voulu faire quoi pour nous résoudre les problèmes sociaux, différences sociales qui gagnent, faut un peu moun en bas pas gagner. Monter à le chercher quand les gens qui gagnent, ça trop dans le monde. Ils reprochent le monde qui est dans l'État, qui prend, comme l'État qui a fait business avec. Bon, est-ce que c'est mon avec un ZAM qui est rentré dans l'ONA par exemple, et puis il a levé 200-300 millions. Ok. Il a levé 200-300 millions, il a investi, il a travaillé, il a fait mouvement. Ok. Bon, puis l'autre monde qui prend combien de millions, nous ne savons pas qui ça va faire avec. Côté, oui. Ça passe. Non, nous pas capable. Nous pas corriger mal, pas mal tout. Nous pas capable. Dire aux deux monde qui nous comme ça, OK, nous va le déchouquer. Déchouquer veut dire quoi? Voler. Al voler un bagage qui pas pour. Qu'on y a pas un discours qui pour justifier déchoucage là. Donc qui pour justifier un monde qui voler. Pas qu'aucun citoyen même s'il dans la misère absolue, il grand rêve, c'est voler, mais al voler par l'autre monde. Maintenant comment l'État a prêté un espace de sérénité pour organiser la société, de telle sorte que les disparités sociales capables d'amoindrir.
Vous dites qu'il y a un mur devant le train, mais ça n'a pas justifié ça qui passe dans la nuit 6-7 juillet. Non, il n'y a pas qu'à justifier, mais il était là. Tout le monde normal était où elle est. Et il est très clair que le président avait abordé beaucoup de dossiers importants pour l'État haïtien. Mal. Et où l'État fait d'abord, au moins qu'il y a une tête, où l'État fait pour le serein, même s'il est obligé de faire. Par exemple, moi-même personnellement, comme officier de l'armée, j'ai une aversion absolue contre la violence. Pour moi, la violence, c'est l'expression maximale de l'incapacité mentale pour maîtriser un problème. Au moins qui violent, c'est un monde qui est bête. C'est un monde qui n'a pas une réponse humaine ou sociale à un problème. Je me rappelle que j'ai organisé une élection en Haïti comme secrétaire d'État, sécurité publique. Mais je n'ai pas un monde qui est tiré sur personne. Je n'ai pas un monde qui a arrêté personne. Quand on parle d'un grand monde qui était pour un roche qui t'a levé son grand bureau de vote. On parle d'une personne qui t'a levé, fait réunion, elle met du feu dans le bureau de vote. Pour qui ça? Moi, pas aborder tâche moyen quand c'est la game pour mal faire. Dans le bagage que nous avons là, nous ne pouvons peut-être pas parler en pile de embêtement, insécurité qui l'a à cap dormir, qui prend le réveil, qui a tant de mouvements pour le réveil, vient son nom. Mais quand il y a un monde qui croit, il faut faire 20 d'état pour aller chercher bandit pour tuer, etc. Un peu sans que pas comprendre, c'est transformer mental l'État dans le même état mental bandit. Ce n'est pas ça le rôle d'un État. Le rôle d'un État, c'est arriver à neutraliser le citoyen déviant. À comprendre le mécanisme qui fait le vin déviant. Par exemple, quand il y a un monde qui croit, je dis, pour résoudre le problème de sécurité, il tire bandit. OK. Parce que bandit a rien à faire. Première question pour me répondre comme l'État, comment ZAMNA fait trouver le nom de bandit? Parce que ZAMNA fait pour trouver le nom de l'État. Donc, si je ne pas résoudre le problème, ZAMNA qui n'est pas capable de faire le bandit, mais tu es combien de bandits? Il y a toujours des bandits qui ont ZAMNA. Je me rappelle, j'avais été reçu par le président de la République, le président Jovenel Moïse, qui était proposé, bon, la tête en Haïti, c'est tout son job. Moi-même, on positionne dans l'État, je dis pour moi, responsabilité d'abord, pour me aller dans le CNDDR. Et lui, il m'a dit, bah, ça, presque 6 mois après, il a fini de parler ça avec moi, je dis non. Moi, je dis le président, écoutez, bah, quand il soit parlé là, nous, on fait déjà en Haïti. Il n'y a pas de bon résultat, mais pour qui ça, il n'y a pas de bon résultat. Côté, on a essayé de résoudre le problème, ce n'est pas là le problème. Il y a une partie vraiment pour nous résoudre là, oui. Mais un problème pour résoudre, il faut aller dans la source. Premier source problème, non, ce sont les gens qui font rentrer des armes sur le territoire de la République. Et je me rappelle de l'émission avant. Là, on a parlé de ça. Je dis que pour neutraliser 26 personnes. Et je parle du président, arrêter 26 amis. Et pour avoir la paix dans le problème. Ça. 26 personnes? Pas plus. C'est pas un pile monde qui a fait des ordres dans le pays, non? C'est même gens pour le contrôle de l'économie qui pas diversifié. C'est pas un pile monde qui a contrôle l'économie en Amérique. Maintenant, c'est et pour qui ça vous gagne comme ça? Vous êtes violent avec lui. Parce que nous faisons peur. Donc, nous construisons le pays sur la peur. Nous distribuons la peur. Nous avons même ma force peur. C'est le chef qui a barré tout. Quand le chef l'a dit, nous avons passé la misère. C'est ça lié dans la croyance. Le chef là, il est là pour le protéger. Il est là pour le ferme. Mais il est d'abord là pour le juste. Donc, le monde sait qui gagne comme. Nous constatons, nous avons fait l'histoire. Grand pile, nous avons cité carrément Siro Libanais, etc. Mais c'est deux mondes qui sont venus dans le pays parce que Haïti est un refuge pour eux qui sont venus. Qui ça va faire le travail? Maintenant, le président qu'on a dit, sorte qui va imbécile qui va prendre. Nous avons des avantages, nous avons des avantages, nous consolider le coup de tête, pour faire mieux, etc. Nous n'avons pas fait aucune exigence pour respecter les normes fiscales, pour payer l'État, pour payer. Nous n'avons pas sécurisé pour développer. Nous faisons business, nous avons moyen pour faire 12 business. Parce que chaque business, nous faisons bon pile. Mais sauf que tout, nous avons influencé les décisions qu'a prendre l'État. Nous avons toujours les mêmes avantages. Mais c'est normal. Dit normal. C'est normal, c'est intérêt à défendre. Mais si appartenir à pays, vous avez intérêt ou pays à changer tout. Mais ce n'est pas vous-même qui pour bailler pays, c'est pays qui organiser pour le prendre. Mais si vous influencez l'État dans le sens qui est bon pour vous seulement. Mais colonel. Non, mais écoutez, là où vous pas en bas, nous prenons la campagne. Vous offrez nous quoi pour aller dans la campagne, nous prenons. Nous ne pouvons pas faire pour aller dans la campagne, donc nous acceptons, c'est boss. Parce que vous avez un monde qui pour aller faire le travail, c'est boss. Maintenant, quand il y a l'offre pour un pouvoir, il n'est pas bon. Il n'est pas bon.
Nous montons tout système politique, nous avons une dépendance par rapport à monde qui n'a pris les blancs, noirs et en Haïti, ou bien par rapport à l'étranger. Par exemple, dans la crise d'où là. L'opposition passe près de 4 ans après le président Jovenel Moïse pour le jeter. Je parle pour une question, je le tombe à qui ça a fait. Au point que je vais arriver à jeter, bon, il va aller. Je vais camper pour qu'on ne dise pas pour faire toujours. Alors, on va arriver là, devant, mais et, parce que nous allons le faire tout à l'heure, et les leçons à tirer de ce qui passe ici 7 juillet, rapidement. Bon, leçons à tirer, faire bagaille avec les gens qui ont des gens pour le faire, j'en le fait pour le faire. Point. Pas de aucun bagaille abdou, pas aucun extraterrestre qui est sorti à l'étranger, rentre en Haïti, vient faire des autres virées d'Oli. Par exemple, j'ai assisté au Venezuela à plus de 3 tentatives de coup d'État contre le président Hugo Chavez, avec l'attaché militaire américain Amira Flores, donc au Palais National Venezuelain, coup d'État raté. Pour qui ça? Parce que rien des normes techniques l'ont pas respecté, et rien des normes sociales l'ont pas respecté, ça ne fait pas passer. Donc, pas aucun pays qui a rentré fait ça, et puis on connaît pour ne pas faire tout. Ou pas, ouais, Américains rentrent dans le dossier ça. Plus il y a PC avancé dans l'agenda, ouais, bah, la difficile, qu'on y a un dossier haïtien pour entendre. Mais nous pas de besoin, c'est eux-mêmes qui devinent dire non. Là maintenant, et puis passer 20 jours après, accord politique que le monde a souhaité pour que j'aime arriver fait. Donc, on la commission de la société civile là, qui continue à rencontrer le monde, même qu'on draft qui est disponible, ou même souhaité bien le maximum d'acteurs qui s'y aillent. Le premier ministre Ariel Henry dit la première fois pour parler avec tout acteur pour arriver à accord là, ou même qui c'est un, pas dire observateur, puisque vous rencontrez Mounio, ou son leader politique, ou un dirigeant gré. Qui ça qui fait problème 20 jours après, nous pas qu'à mettre d'accord pour nous dire ça la fin pays là. Et parce que nous mal apprécier responsabilité que nous avons vis-à-vis du pays, vis-à-vis de citoyens et de citoyens que là-dedans. Si nous avons bien apprécié responsabilité, pour nous chasser sa gâte là, est-ce que je suis capable? Si je suis capable, personnellement, à qui monde, qui équipe nous avons monté pour solutionner tel problème? Par exemple, je réfléchis en pile sur aborder la question de sécurité. Par exemple, je prends un monde qui vient président là, qu'on y a, monter le système de sécurité, son bail extrêmement fragile. Faut qu'on ait le bien, faut faire le bien, faut qu'on entende avec lui, et entende avec un pile l'autre monde. Et qu'il y a une capacité pour neutraliser un pile ennemi potentiel. Parce que dès que tu arrives au pouvoir, tu as une cible. Par rapport au jeu des intérêts, même intérêts qui menaient à la mort du président Jovenel Moïse. Donc, ce n'est pas une petite opération. Donc, il y a une manière pour faire. Leçon à tirer, c'est que bon, pile bagaille qui était fait, qui mal monté dans le système, non? Et c'est pourquoi moi, je suis pour une transition ferme, mais apaisée. Sans violence verbale, sans violence sociale, sans activité bête. Mais vous voulez la fois qu'il y a accord là. Et chaque fois, nous savons qu'il y a une solution par une approche. Mais non. Et nous voulons imposer une solution. Moi, je crois qu'au fur et à mesure, nous avons privé à la raison. C'est pour un exercice que nous faisons instinctivement. Parce que quand il y a le monde qui voit l'État, il n'y a pas l'État en termes de responsabilité, il y a l'État en termes de jouissance. Des gens qui enfin arrivent à être quelqu'un. Nous avons un gros problème de ego. Nous voulons vivre au monde. Et ce qui est humainement, légitimement compréhensible. Mais que l'État fait pour l'organiser, pour le neutraliser. On ne peut pas faire au détriment de l'autre. Non, et bien justement, c'est là pour nous aller dans ces situations ethno-sociologiques haïtiennes. Haïti, comme ça, je vous dis, c'est parce que nous ne croyons pas que l'autre là, il a un droit d'exister. Les gens qui sont plus riches là, les gens qui ont une couleur claire, moi-même, qui ont une couleur noire. Et lui-même tout pour le connaître que mon droit existe. Maintenant, il faut organiser un cadre social là pour le monde ça fait un bagage qui montre que le pas connaît mon droit existe, que l'État dit non, monsieur existe tout. Il doit avoir mangé, il doit avoir travail, il doit avoir santé, il doit avoir de l'eau. Maintenant, pour ceci, au gain cob, m'a permettre de faire plus cob toujours, ou développer plus business pour qu'on jeune plus pour qu'on travaille, qu'on sorte dans la misère. C'est comme ça que l'État organise. Il pas organisé sous la guerre un groupe contre l'autre. Il fait pour le monter tout groupe ensemble. Maintenant, côté nous là. Moi, quoi,
li difficile. Mais nous obligés à aboutir à lui. Et m'apprécie en pile que, suivant ça m'entendait, ça m'a à travers les réseaux sociaux, que la primature va démentir, que le premier ministre a rencontré un pile groupe. Pour qui ça? Parce qu'il reconnaît que le gain a un problème. Il n'est pas arrivé à une harmonisation minimale. Le premier ministre n'a pas jamais opéré, fait l'État fonctionner sans président. Parce que on est en dehors de toutes les normes constitutionnelles, voire légales. Il y a une série de tâches qui sont attachées à président seulement et infrastructure, situation que nous avons là, pas permettre que nous passions au-dessus de nous. Nous avons une première difficulté, un premier problème pour résoudre. Premièrement, il faut que nous venions entendre que nous venions au président de la République. C'est pour nous mettre ça au vrai, nous ne pouvons pas contourner le problème. Ça. C'est le président de la République qui peut nommer directeur général. C'est lui-même qui peut nommer directeur et service déconcentré. C'est lui-même qui peut sortir en arrêté pour convoquer le peuple en sa commission. Le premier ministre n'a pas gain pour voir ça. Et soit dans tout texte de loi, même sa camarade a été voué, il a montré pouvoir premier ministre gain, pouvoir premier ministre arrêté dans la fonctionnalité gouvernement. Donc, il faut que vous cherchiez un président. Un. Deuxièmement, il faut que vous montrez un programme apaisé pour. Nous soutenons la guerre, la guerre, la guerre. Ferme. Il faut que vous assurez les raisons que les bandits vous connaissent, que vous n'êtes pas capable de lever matin là pour sortir, faire ça. Vous voulez, si vous sortez, vous ne pouvez pas rentrer. Là, il faut être clair. Parce que les bandits vous connaissent, les bagages doivent sortir avec 11 âmes dans la rue. C'est parce que l'État pas là qui fait le fait. Il faut le connaître. S'il fait, ça a puni. Et il faut que l'on finisse faire bagage ça. Pour le diagnostiquer, qui ça mène nous dans tout le ça? La désorganisation de l'État. Par exemple, ou pas jouer une solution en Haïti, sous pas arriver à une conférence nationale, qui ouait la question de la Constitution, parce que le pays a tout mal organisé en la Constitution. Il faut que nous résoudre le problème. Ça. Il n'y a pas qu'à résoudre en 2 mois, maximum 3 mois, 6 mois, pour faire, pour déterminer un cadre légal. Et la première institution en urgence à mettre sur pied, c'est la justice. Parce que tant que la justice dans un pays sent-il gain ou pile l'autre acteur qui sous tête li cap ordonné li perd l'indépendance li et tout monde dans problème. Durée transition ça. Pour moi même dans les bonnes conditions 18 mois. Dans les bonnes conditions où est l'organisation spatiale de l'État, réorganiser les sections communales, les communes avec deux monde avec un pile jeune qui gagne, un pile monde qui dans diaspora. Nous t'es même dans gré nous t'es proposé une sorte de compétition nationale entre les communes. Voyez l'argent dans communio pour joindre de notables en dans communio, des ressources en dans communio qui monde communio mais qui à l'étranger, qui monde communio qui gagne des ressources techniques qui dans Port-au-Prince. Mais une sorte de compétition nationale au niveau de toute commune, bah au moyen pour qui commune qui a fait plus belle bagaille dans 6 mois, dans 1 an. De telle sorte que nous font émulation sociale et économique, de façon pour nous déconcentrer l'esprit pouvoir macro que nous avons dans Port-au-Prince. Mais je dis assez, il y a un président provisoire ça qui paraît plus compliqué. Hein? Parce que chaque monde t'a aimé et c'est le monde qui passe. Bon, il faut nous finir par jouer, nous entendre sur ça, on profile au monde qui a apaisé. Je suis en tête longtemps ici. Pardon? Je suis en tête longtemps là, ici. Il ne va pas arriver à joindre. De toute façon, si nous ne jouons pas, nous ne pouvons pas faire cap normal. Donc, que nous jouons, nous sommes tranquilles. Mais moi, je dis, je reprends 2 mots. Transition, ça faut le faire. Une transition tranquille, mais ferme. Ça veut dire que pas de monde qui a fait tapage, mais pas de monde qui a quitté le monde, qui a fait ça ouvrir non plus. Mais parce que là, je pense que j'ai mon Matisse là, depuis le 1er juin. Il n'y a pas qu'à passer. Ce qui n'est pas normal. Ce qui, techniquement, c'est un faux problème. Faux problème. Oui. Bientôt 2 mois, hein. 2 mois. Bon, bientôt 2 mois, parce que c'est un vrai faux problème. C'est un problème qui est vrai parce que nous avons subi. Il faut parce que la méthode pour résoudre l'IA existe. Premièrement, il faut nous sortir dans le mental la guerre. Sous territoire, le monde qui doit faire la guerre, c'est l'État. Et le fait pour faire la guerre contre un monde qui a mis en danger la vie de l'autre citoyen. Et il faut que le monde qui a fait s'il fait, il a besoin d'une réponse adéquate. Là. Pas qu'une personne, monde, tout aussi bandit que Clavier, qui remet la mort. Et il y a une structure de renseignement organisée.
grand pile ouais de des autres sociales premier bail pour faire une capacité pour suivre l'argent de pour suivre l'argent grand pile nèg qui là qui n'a pas dit mais famille ménage yo madame yo pas ici il a fait transfert voye bail chaque mois c'est nous pas gain l'organisation de surveillance de l'État. Oui, mais il n'y a pas d'un pays qui va même protéger le président. Bon, le pays a choisi pas protéger le président. Le pays a choisi, pas pays, le monde qui n'est pas le pays a choisi faire des ordres. Par exemple, je me suis dit que le président, mais au fur et à mesure, l'événement a passé, parole a parlé, je me suis des textes de monde qui démontrent des compagnies pour faire des choses qui sont totalement en dehors de la loi. Moi ouais pour qui ça l'aime dit président ça il était baissé tête il était baissé yeux d'abord il baissé tête ensuite moi dit l'on bagaille il connaît il connaît me connaît samedi là mais lui même tout il fait introspection dit oui foot en rebouvine là bon travail papa très bien donc il font choix il font choix pour pas comparer pour fabriquer des amis sérieux là oui il font choix pour raison parler pour intérêt économique lui pour mix immixion les gains du point de vue social avec de l'autre monde ouais ça va pas faire liquider ça c'est quand on donne des on blague et il est remonté le gouvernement d'Haïti intégrer la douane pour lui intégrer APN pour lui écoutez bah, c'est normal pour mon président te dit l'étape défendu par un menin bon si on l'est tout ça pour l'état gain en mail pour le faire population jouer un service bon pile monde qui approprié c'est que comme m'a regardé bah des réunions qu'a fait yo dit qu'a fait à l'étranger quand il a cherché pour distribuer pour séparer tout ça gain bon côté l'état pral jamais qu'a fait route jamais fait centre de santé fait mais non mais pas ça tout faire au stack à cola et pas parce que chaque monde le prend petit bail dans gâteau même si pas un gâteau encore mais écoute si nous fait pays à marcher bien tout monde a vienne par exemple moi crois que monsieur Younan ra fonctionnaire de l'état qui quitte l'état qui pas gain consultation aucun côté dans l'état qui pas gain aucun chèque pas touché dans l'état qui pas gain aucun monde qui aucun avantage dans l'état l'a voyer bon moi pour qui ça parce que depuis me jeune moi toujours organisé vie pour me vivre de manière indépendante mais vivre surtout avec ça me gain me passer combien temps travailler dans TNH paye basé combien de temps m'a géré centre sportif de Carrefour l'état paye monter activité personnelle moi touché la donne comme moi pas gain gros vente m'pa cap manger en pile manger petit petit ça me vivre avec moi était bien avec ma conscience de toute tranquillité ou pas coquer ma coutou côté le pas arriver m'pa coquer ma coutou côté le pas arriver et je suis toujours heureux peut-être m'cap pas gain comme soit dans compte en banque moi ou presque à zéro presque au niveau sous t'apprendre au niveau de la misère. Mais je suis un miséreux, heureux, parce que moi fais ça, capable de faire, et c'est philosophie et personnellement. Donc, moi-même, moi crois que c'est une dernière émission que j'ai faite sur ce sujet. Ça. Pour ça, j'ai découvert que je suis consultant national, international, sans goût. Ce n'est pas normal pour Serge Inouye, il est là, pour me dire que je suis tout bête, ça, et puis il est sorti là, directeur de télévision, pour remettre mon chèque $5,000 pour consultation. Avec les pays, peut-être que je mets l'argent. Oui, mais non, je ne suis pas obligé de monter un petit bureau de consultation, mais il fait trop facile. Comment va Haïti demain en 30 secondes, pour finir? Haïti demain, il est capable de continuer dans des autres liens, tout comme tout le capable de faire un revirement. Parce que nous croyons que tout mal que nous avons vécu, c'est blanc qui fait nous. Blanc n'a pas qu'à faire nous sans nous aider. Fait nous. Blanc connaît, nous connaît. Bon côté, nous devons faire une chute à parler. Et moi-même, je crois que pas aucune raison pour notre toute misère morale, ça, notre toute saleté, ça, pour nous faire un pile citoyen, comprendre ceci, si nous avons des âmes pour nous capturer un monde, nous capables de vivre. Pas aucune société le fait comme ça. Les bandits existent partout à travers le monde, mais il y a l'État qui est toujours face à ces déviés pour prendre, pour amener un côté, pour retourner des citoyens normaux. Évitons la pensée de la guerre, pensons à une société normale, ferme, régulée, mais tranquille, sans violence verbale, sans violence physique qui n'est pas nécessaire. Et puis, joindre deux mondes, gain. Deux mondes qui sont tranquilles, qui sont apaisés et qui pas gon passé dans violence verbale dans fait zak al voler l'argent l'état gagne nous cap c'est pas renouveler ouais mais c'est eux même nous besoin pour nous traverser parce là mais il faut aussi une très forte
et intelligente mobilisation de l'élite intellectuelle haïtienne, mais surtout des jeunes, parce que ces jeunes qui ont passé toute mise, qui ont vécu toute mise à là, et c'est eux que vous voulez, que vous ne voulez pas, qui ont pu gérer l'avenir là, avec tout mal que nous avons là. Il y a un avenir qui est hypothéqué. Donc, il faut que vous impliquiez, parce que Haïti est trop belle, Haïti est trop riche pour nous vivre dans la misère morale que nous avons. Merci à vous, le colonel Ribu. Ça a été un plaisir. Voilà, invitez-nous matin à la mise au point, Emile Ribu, qui est avec nous, pour nous regarder ce qui est passé le 7 juillet, point de vue comme spécialiste en sécurité. Mais tout garder ça nous a fait pour nous sortir côté nous aujourd'hui. Sout avec nous en direct. Bonne journée, si c'est en rediffusion. Bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.